c'est un plaisir d'être ici pour la troisième année pour ce qui me concerne et pour la quatrième avec Transdev, hein, puisque Transdev est un partenaire de long terme du Cercle Giverny et du Forum RSE Giverny. Venir ici, c'est venir partager ses expériences, nourrir ses réflexions et encore accélérer sur la transition énergétique et sociale et économique, évidemment. C'est aujourd'hui pour nous une opportunité. On a parlé attirer les talents. Effectivement, on est, comme beaucoup de métiers, des métiers en tension et sur la main-d'œuvre. Donc, on a créé des académies by Transdev pour former les gens. On a de nombreux partenariats avec les universités, les écoles pour faire connaître nos métiers. Et on a également développé des réflexions sur le comportement des voyageurs pour pouvoir offrir des services de qualité partout sur les territoires. En fait, on n'a pas une stratégie RSE, on a une unique stratégie, c'est celle d'avoir complètement intégré la RSE dans nos stratégies. C'est la mobilité que je pourrais qualifier de positive, en fait, parce que le transport public va proposer et va être de plus en plus présent dans les modes de transport pour offrir des solutions alternatives à la voiture.